C'est comme. Dès le mot au pays, ils sont lancés bien et attends les pots, pa, pa, pa. Attends, je t'ai dit, c'est la Côte d'Ivoire, je t'ai montré. Attends, il vient. Attends, je t'ai montré. Il dit, on n'a pas de maquillage, on n'a pas de maquillage chez moi pour les laisser. C'est qui? Il te passe du foin. Il voit quand tu vois sur ce côté-là, mais quand tu tournes sur l'autre côté, il ne voit plus. Ou bien, il faut faire rotation des caméras. Il faut faire rotation des caméras. Faut faire rotation des caméras. Ah, ou bien ton téléphone a une seule caméra, quoi. Ouais. Oui, les Maures, ils sont au pays là-bas, ils sont en train de se tuer. Ils ont été. Ouais. Bon, en tout cas, chez nous, les Ivoiriens, quand ils sont en train de se tuer, c'est qu'ils sont en train de se mettre bien, genre. Ils sont en train de se mettre bien, ils sont en train de célébrer, ils sont en train de. Wow, ça me manque, hein. Tu vois, les 31 décembre, non? Les 31 décembre, genre les fêtes de fin d'année, là, où vous sortez, vous partez entre vos potes, vous revenez vers 6 h, genre, vous avez chauffé quand. Mais ici, là, les boîtes de nuit, là, ferment à 3 h. La plupart des soirées où il y a bruit, ça finit à 3 h. C'est-à-dire que de 3 h jusqu'à 5 h, 6 h, chacun doit rentrer chez lui. Si vous faites votre after, avoir votre. Ici, on appelle ça after. Si vous faites votre after, là. Bon, moi j'ai dit after, hein. Les vrais de vrais vont dire after. Ils vont dire que c'est nous les faux là, on a envoyé notre nouveau langage. Donc, en tout cas, quand vous partez faire le after, c'est là maintenant il y a des gens qui ont montré que ouais, c'est eux. C'est bizarre en fait. Il y a une fois, non. Non, non, non. La première fois que je suis allé comme invité dans un bar ici, c'était un bar africain. Hein. On appelait ça le, si je me trompe pas, le X Lounge. Voilà. On est arrivé là-bas. Ils ont fait, on a payé une salle. Et en tout cas, on a payé notre salle, on a réservé notre salle, on nous a fait rentrer, on dépose nos boissons. Et on était comme, nous étions, je pense, 4 ou 5. Les boissons, ils ont déposé. Ils étaient en mode, ah, est-ce que nous, on va finir ça? Donc, dans ça, on envoie, les mois déposent la facture, c'est sûrement mon compte, ça passe. Il dit, ok, à fond, c'est pas grave, c'est la première fois, non. On finit de. Non, on finit même pas. On commence la soirée là. Comme il a fini de payer maintenant là. C'est là maintenant, les gens qui sont venus là. Ils vont commencer à appeler leurs camarades pour qu'ils viennent boire en fait. Ils appellent leurs camarades. Donc, mon qui était chaud, il était en mode aïe. Vous avez laissé moi seul. J'ai misé mon truc. J'ai fini de miser. Et puis, c'est maintenant que vous allez appeler vos amis pour venir manger, pour venir boire. Donc, les gars aussi, ils viennent et puis te lancent les fausses causeries, genre, ah, c'est comment, bro, comment tu vas? Ah non, est-ce que tu me reconnais? Ici, t'as dit, oh frère, on se connaît pas. Mais les gars, là, ils sont, genre, eh ouais. Mais en tout cas, ils ont fait ce fait quand j'ai pété un câble, en fait. J'ai pété un câble dans le bar. J'ai dit à mes potes qui sont venus là que ça, là, ça se fait pas. Genre, ça peut pas se faire, en fait. On est venu, on avait prévu faire un truc ensemble. On est arrivé là, c'est moi sur le centre de verser là. Il a fini de verser mon argent, c'est maintenant vous allez appeler vos amis, qui vont appeler leurs amis, et puis leurs amis vont venir leur go, et puis les go là, on s'assoit, on commence à snapper sur nos bouteilles, ouais, ils n'ont rien payé. Il a demandé de se lever tranquillement. Donc, il se lève. On arrive à 2 h 30, 2 h 40, comme ça. Il voit les morts s'apprêtent, il y a les morts qui sortent. Il demande, ah, mais c'est comment? On finit la soirée, comment? Et puis, genre, on rentre. C'est à là que j'apprends que les soirées finissent à 3 h. Il dit, ok, 3 h, c'est chill. On achète nos bouteilles. On prend nos bouteilles et puis on rentre normalement, genre. Il attrape ma bouteille. Il arrive devant la porte. On dit, on sort pas les bouteilles. Il dit, attends. Vous êtes en train de plaisanter. Vous êtes en train de plaisanter. Normalement, on avait venu faire un truc. On m'a pris. C'est que. Et. On a payé cher. Vous n'avez pas dit, j'ai payé cher. Il a bu 3 verres. Les bouteilles là sont encore remplies. Vous me demandez de laisser les bouteilles. Dites-moi de partir. Passer les 3 h chez vous. Ah, c'était monté. Yeah! C'était monté à un point, non? Où le barman il a commencé à m'énerver. Dès que ça a pété, il était prêt à. Oh. Et puis il parle, il me pousse. Il a dit. Je lui parle calmement. Ah frère, toi, il faut voir. Toi, il faut voir. Les gars, prenez un exemple. On prend un exemple. Hein. On va prendre un exemple. Tu t'en dans un bar, avec tes potes et tout. Tu payes. C'est que. C'est pas comme si vous êtes assis sur le bar, en fait. Genre, vous êtes assis sur le barman, hey, il va vous servir les petits shots. Non. Et on a fait. Bon, mes gars ont fait. On a réservé une salle. Et que. Dans le bar, dans le club, là. Nous, on avait une salle pour nous. Et puis, on nous envoyait les boissons là-bas.
Ils envoient les boissons là-bas, là. Imagine au moins le montant, genre. Mais on ne dit pas les trucs comment c'est. Le gars, ils envoient. Tu es le seul à payer. Ceux qui n'ont pas payé, là, c'est ils ont des amis. Toi qui as payé, là, tu n'as pas d'amis. Et tu viens d'arriver. C'est chill. Il y a foyer. Mais les gens, ces amis-là, eux, ils viennent s'asseoir. Eux, ils consomment. Et puis, ils ne te saluent pas. Hein. Ils consomment, ils se lèvent, ils se mettent à danser. C'est que c'est avec toi, ta table, et avec ce que tu as acheté, que les gens viennent prendre les points pour aller avoir les go, pour aller avoir les trucs. Or, toi-même qui as payé, là, tu as si. Il y a air. C'est bizarre. Tu veux te lever pour sortir avec tes bouteilles que tu as achetées à ton argent. On dit, tu sors pas avec. On dit, tu sors pas avec. Au Canada, ici, et c'est pas ici, en Ontario aussi, je vais me renseigner. Au Québec, tu peux plus acheter bière quand il est 23h. Si on dit 23h pile à sonner, là, tu peux plus acheter de bière au Québec. Même une canette de bière, tu peux pas. Même s'il y a 0,1%, le gars va pas te vendre. Et si tu vends, lui, il est dans le problème. Donc là, il a dit, bon. Il vient écouter mon gars, champion, pas dans vos sciences. Il est payé cher, cher. Il est pour au moins une bouteille pour sortir. Le gars me pousse. Le gars me pousse. Foutaise. Il est bro. Ça, c'est foutaise. Franchement, tu vas pas m'humilier, quoi. Hein? Genre, t'as pas payé, c'est ton bac. Il a dit, au moment où tu as commencé, tu peux terminer. Payé, franchement, quand vous êtes dans les mouvements comme ça, quand vous êtes dans les bars, vous êtes pompé, pompé, vous êtes gros, gros, vous pensez que genre, vous pouvez faire mouvement. Que si tu es sûr de ce que tu veux faire là, sortons. Ils sortent, les mains m'attrapent. Non, Emmanuel, calme-toi. Non, les nerfs étaient loin. Il a dit, bro, franchement, hein, tu vas plus refaire ça à quelqu'un encore. Allons dehors. Allons dehors. Moi, je suis sorti dehors. Il attendait. Il était devant la porte. Il attendait. Les gars font genre, ils commencent à crier, 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 crier. Il dit, hein, ok, il est retenu dans la boîte, on se voit. Il est retenu, on m'attrape. Que non, Emmanuel, fais pas ça. C'est coin, 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 coin. Voilà. Il était en gamme, hein, sérieusement. Il était en gamme. Et si, petit terrain malais, il allait rentrer. C'est qu'elle s'est passée, elle s'est passée. Au clair, c'est qu'elle s'est passée, elle s'est passée. Mais après, bon, quand je suis rentré à la maison, quand je suis rentré à la maison, non, sérieusement, ça m'a fait mal. Il qu'à présent, ça me fait mal. Quand je suis rentré à la maison, les mots, ils dit non, il m'a dit calme-toi, pourquoi tu t'es énervé, il fallait pas faire ça, il fallait pas faire ça. Et vous me connaissez, j'aime pas m'énerver, sérieusement, j'aime pas m'énerver. Mais la façon dont moi je te parle, la considération que je prends, que je t'accorde là, je veux la même considération aussi en retour en fait. Moi, il est venu te parler calmement. Ah frère, science, il est payé cher. C'est la première fois qu'il connaît. C'est ma première expérience de boîte de nuit au Canada, genre. Et puis, on me dit, on ferme les trucs. Oh, l'un qui est sorti là. Toi aussi, l'un qui est sorti là. Science, au moins, on fait le truc. Payé, il ne m'attendait pas à ça. Les bons offres, il est payé cher. Il a payé cher là. Attends, il a profité un peu de mes bouteilles. Tu peux me dire, ah, calmement. Ah, bon, non, il ne peut pas faire ça. On trouvait un moyen. On trouvait un moyen. Parce que pendant qu'on parlait et puis on faisait notre discours là, il y avait des morts qui sortaient les bouteilles là. Donc là, il y avait un moyen de sortir les bouteilles. C'est le gars qui n'était pas prêt. Il ne sait pas si quand on laisse les bouteilles après là, il peut prendre pour rentrer avec. Ou bien il peut prendre faire les mouvements avec. En tout cas, les filles, celles qui en sait qu'ils ont les gars bodyguard ou bien un truc qui ramène les bouteilles souvent. Demandez-lui s'il a acheté, mais il a pris. Payer les morts souvent, ils ont les foutaises. En tout cas, il y a des bodyguards qui sont bien. Il y a des morts qui sont trop chill. Il y a des morts qui sont trop chill. Wallah, il y a des morts qui sont trop chill. Il n'est pas l'endroit, mais il les connaît. Oh, je suis allé juste dans un. Je pense 4 fois. Hein. Ouais, 4 fois. Première fois, il s'est parti. Hein. Mauvaise expérience après, là. Tiens, le reste, là, il partait un peu. Hein. C'est que mon verre, mon petit truc, il prend mon un verre. Et puis même les clubs d'ici là, même là, il n'y a rien dedans en fait. Il y a presque rien. Mais à part, bon, il y a un club que j'ai aimé. Pas un club, mais genre, on partait faire de la promotion pour un service de raccompagnement là, ça s'appelle Mon Taxi. Bon, je pense qu'aujourd'hui, bien demain, ça sera un peu la dernière journée. Mais en tout cas, ils sont là, Mon Taxi, ils existent. Ils ont un service de taxi, ils ont un service de raccompagnement. Si tu ne peux pas ramener ton, si tu peux pas ramener ton auto à la maison, tu les appelles parce que tu es bien, genre t'es saoulé, tu appelles. Ils vont emmener une équipe, ils vont venir à deux, mais dans la même voiture, genre. Mais ils vont venir à deux. Il y a celui qui va conduire ta voiture pour rentrer avec toi à la maison, et puis il y a celui qui va vous accompagner pour pouvoir prendre son collègue après quand il te dépose, en fait. Donc c'est un peu ça. On allait, on rentre, parce qu'on avait nos badges, genre. On rentre dans le coin pour faire la promotion. Et puis on rentre dans un bar country.
On rentre dans un bar country, il ne faut pas voir les les comment ils s'appellent, les cowgirls, les cowboys, les gens, ils ont porté les chapeaux, il y a les trucs. Ah, en même temps, même là, on avait rencontré, comment on appelle ça, deux cowboys. Deux cowboys qui jouaient, ça, Wallahi Bilahi, c'est Maracana, les gars, jouaient Maracana de cowboys. C'est qu'il y a un qui a son lasso, non. Le truc qu'on prend pour tourner, quoi, pour attraper les animaux, là. Genre, les deux, ils ont ça. Le premier qui attrape son ami et puis qui le met par terre là, c'est lui qui gagne. Donc, il était là avec mon sale téléphone, mon écran était. Ma caméra était trop sale, il a pris une sale vidéo, mais en tout cas, les vidéos là sont là. Ah! Maintenant. Il a fini de le regarder, je regrettais de ne pas être sorti avec mon équipement. Mais oh, ça allait faire un beau truc, même. Non, ça allait être trop saoul. Donc là, après, comment on appelle ça? Donc là, après, on s'en va au Nash. C'est comment on appelle le bar là. On s'en va au Nash. On arrive au Nash. Le vigile là nous laisse entrer. On rentre, on commence à faire nos pubs. Ah, voici la promotion. Ah bonjour, bonsoir. Donc, comment j'arrive à ce que j'ai dit, c'est que. Attends. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ben, en fait, je suis venu pour faire la promotion de mon taxi parce que leur service de raccompagnement est revenu encore à la. Est revenu encore. Comment je disais? Non. Ils ont repris. Ben voilà. Bonjour monsieur, bonjour madame. Voici cette carte. En fait, nous sommes en train de faire la promotion de mon taxi pour le service de raccompagnement. Parce que le service est encore de retour et il y a plein de monde qui ne le sache pas, donc qui ne le savent pas, du genre. Donc on passe pour remettre des cartes pour faire la promotion. Donc les gars ils prennent. Il y a d'autres qui ont se joué les oeuvres pour dire non, on conduit pas, non, nous on marche pas à la maison, non, nous on fait ci. Et c'est pas ça touche dans leur orgueil quand tu viens pour leur dire que non, tu es là pour partager des cartes. Là au cas où quelqu'un est saoulé, tu le raccompagnes. Je sais pas s'ils pensent que tu parles d'eux, mais en tout cas les morts là ils se mettent en gamme que non. Je rentre à pied ou bien je fais un truc. Donc, du coup, moi je leur dis tranquille, c'est pas par rapport à toi que je viens te donner. On avait bien fait promotion de quelque chose. Donc, tu es là, il te donne, c'est pas payé tant de bois qu'il te donne. Forcément, ça a servi à quelqu'un dans ta vie là. Tu as rencontré quelqu'un, bien tu vas voir quelqu'un qui est daïkin, il peut pas rentrer à sa voiture. Tu nous appelles, nous on vient le chercher. Ils font, ah, ils prennent le bail. Maintenant, quand on est rentré, forcément, on va regarder les trucs. Donc tu les vois, ils sont devant là-bas, quand ils sont attrapés les mains, ils dansent, ils sautent, ils vont sur le côté. En tout cas, l'ambiance est fun. L'ambiance est fun, j'ai aimé ça. J'ai aimé jusqu'à un point où je suis reparti encore. Je suis reparti, je suis rentré, je me suis assis, j'ai assisté à un petit concert là. C'est comment on les appelle? Ne me dites pas pourquoi. Les Québécois, là, ils ont souvent les noms de groupe. C'est comme nous aussi chez nous, là. Quand on a nos noms de groupe bizarres, là. Eux aussi, ils ne captent pas les noms. C'est un peu ça. Prenez ça comme ça. Donc, après, je sors. Ouais, bon, ça, j'ai raconté ça une autre fois. Hein. Puis la vidéo devient longue. On est allé dans un bar à striptease pour aller faire la promotion. Et ça y a. Bon, à la prochaine, les amis. Je suis fatigué. À la prochaine, les amis. C'était ça la petite histoire, là. Et puis, bon. Comme mon petit aussi, il ne rappelle pas. On se dit ça. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à visiter entrepriseyapo.com. On a bientôt des épices et tout. Ah, en passant, on a maintenant le service pour prendre les colis du Canada en Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui sont intéressés à ça, le temps qu'on puisse faire les affiches, c'est les fins d'année parce qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup bousculé. C'est ce qui fait que on peut pas vraiment, comment on appelle ça, on peut pas vraiment se donner à 100% encore. Non, tout ce qui est montage photo, édite de quelque chose, édite de quelque chose, parce qu'actuellement, c'est chaud. Faut qu'on soit sur le terrain. Voilà. Donc, bye les amis. Au revoir. Passez un très beau début d'année. Puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.